Unité 17. Conversation. Écoutez. As-tu fini d'éplucher les pommes de terre? Oui, j'ai presque fini. Et toi, as-tu lavé la salade? Non, mais je vais le faire tout de suite. Pourquoi ne prépares-tu pas d'abord les brochettes? Non, je vais d'abord laver la salade. Répétez. 1. As-tu fini d'éplucher les pommes de terre? 2. Oui, j'ai presque fini. 3. Et toi, as-tu lavé la salade? 4. Non, mais je vais le faire tout de suite. 5. Pourquoi ne prépares-tu pas d'abord les brochettes? 6. Non, je vais d'abord laver la salade. Répondez, répétez. 7. As-tu fini d'éplucher les pommes de terre? 8. Oui, j'ai presque fini. 9. Et toi, as-tu lavé la salade? 10. Non, mais je vais le faire tout de suite. 11. Pourquoi ne prépares-tu pas d'abord les brochettes? 12. Non, je vais d'abord laver la salade. Écoutez. Maintenant, que vas-tu faire? Maintenant, je vais préparer les brochettes. Peux-tu m'éplucher des oignons? Un instant, je suis en train de mettre les pommes de terre à cuire. As-tu pensé à mettre le vin au frigidaire? Oui, je viens de le faire. J'ai mis 2 bouteilles de Beaujolais, ça va? Oui, avec les brochettes, ça va très bien. Répétez. 13. Maintenant, que vas-tu faire? 14. Maintenant, je vais préparer les brochettes. 15. Peux-tu m'éplucher des oignons? 16. Un instant, je suis en train de mettre les pommes de terre à cuire. 17. As-tu pensé à mettre le vin au frigidaire? 18. Oui, je viens de le faire. 19. J'ai mis 2 bouteilles de Beaujolais, ça va? 20. Oui, avec les brochettes, ça va très bien. Répondez, répétez. 21. Maintenant, que vas-tu faire? 22. Maintenant, je vais préparer les brochettes. 23. Peux-tu m'éplucher des oignons? 24. Un instant, je suis en train de mettre les pommes de terre à cuire. 25. As-tu pensé à mettre le vin au frigidaire? 26. Oui, je viens de le faire. 27. J'ai mis 2 bouteilles de Beaujolais, ça va? 28. Oui, avec les brochettes, ça va très bien. Écoutez. 29. Ce matin, je me suis levée de bonne heure. 30. Je me suis préparée des sandwichs. 31. J'ai rempli ma gourde de citron pressé. 32. J'ai fait une excursion dans la Vanoise. 33. Je me suis bien amusée. 34. Et j'ai fait de belles photos. Répétez. 35. Ce matin, je me suis levée de bonne heure. 36. Je me suis préparée des sandwichs.
37. J'ai rempli ma gourde de citron pressé. J'ai fait une excursion dans la Vanoise. 39. Je me suis bien amusée. 40. Et j'ai fait de belles photos. Répondez, répétez. 41. Qu'as-tu fait ce matin? 42. Ce matin, je me suis levée de bonne heure. 43. Que t'es-tu préparé? 44. Je me suis préparé des sandwichs. 45. Tu as rempli ta gourde de citron pressé? 46. Oui. J'ai rempli ma gourde de citron pressé. 47. Où as-tu fait une excursion? 48. J'ai fait une excursion dans la Vanoise. 49. T'es-tu bien amusé? 50. Oui, je me suis bien amusé. 51. As-tu fait de belles photos? 52. Oui, j'ai fait de belles photos. Écoutez. 53. Ce matin, nous nous sommes réveillés à l'aube. 54. Nous avons quitté Paris en voiture. 55. Nous sommes arrivés au Touquet aux environs de 9 heures. 56. Nous avons passé la journée à la plage. 57. Nous nous sommes baignés. 58. Et nous nous sommes bien amusés. Répondez, répétez. 59. À quelle heure vous êtes-vous réveillé ce matin? 60. Ce matin, nous nous sommes réveillés à l'aube. 61. Comment avez-vous quitté Paris? 62. Nous avons quitté Paris en voiture. 63. Quand êtes-vous arrivé au Touquet? 64. Nous sommes arrivés au Touquet aux environs de 9 heures. 65. Où avez-vous passé la journée? 66. Nous avons passé la journée à la plage. 67. Vous êtes-vous baigné? 68. Oui, nous nous sommes baignés. 69. Est-ce que vous vous êtes bien amusé? 70. Oui, nous nous sommes bien amusés. Écoutez. 71. Françoise est en train de lire un roman policier. 72. Sa petite fille est en train de jouer à la poupée. 73. Son mari est en train de téléphoner. 74. Le chat est en train de jouer avec une pelote de laine. Répétez. 75. Françoise est en train de lire un roman policier. 76. Sa petite fille est en train de jouer à la poupée. 77. Son mari est en train de téléphoner. 78. Le chat est en train de jouer avec une pelote de laine. 79. Qu'est-ce que Françoise est en train de faire? 80. Françoise est en train de lire un roman policier.
81. Qu'est-ce que sa petite fille est en train de faire? 82. Sa petite fille est en train de jouer à la poupée. 83. Qu'est-ce que son mari est en train de faire? 84. Son mari est en train de téléphoner. 85. Qu'est-ce que le chat est en train de faire? 86. Le chat est en train de jouer avec une pelote de laine. Écoutez. Où vas-tu, Monique? Je vais voir un match au Palais des Sports. Tu vas à pied ou à bicyclette? Je vais au Palais des Sports à bicyclette. C'est loin. Tu fais du vélo avec ta robe à fleurs? Non, je vais me changer. Je vais me mettre en blue jeans. Répétez. 87. Où vas-tu, Monique? 88. Je vais voir un match au Palais des Sports. 89. Tu vas à pied ou à bicyclette? 90. Je vais au Palais des Sports à bicyclette. C'est loin. Quatre-vingt-onze. Tu fais du vélo avec ta robe à fleurs? 92. Non, je vais me changer. Je vais me mettre en blue jeans. 93. Où vas-tu, Monique? 94. Je vais voir un match au Palais des Sports. 95. Tu vas à pied ou à bicyclette? 96. Je vais au Palais des Sports à bicyclette. C'est loin. 97. Tu fais du vélo avec ta robe à fleurs? 98. Non, je vais me changer. Je vais me mettre en blue jeans. Écoutez. 99. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous à la montagne? 100. Parce que j'ai beaucoup à faire à Paris en ce moment. 101. Qu'as-tu à faire? 102. Je suis en train de chercher un appartement à louer. 103. On trouve encore des appartements à louer à Paris. 104. C'est vrai. C'est très difficile à trouver. Répondez. Répétez. 105. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous à la montagne? 106. Parce que j'ai beaucoup à faire à Paris en ce moment. 107. Qu'as-tu à faire? 108. Je suis en train de chercher un appartement à louer. 109. On trouve encore des appartements à louer à Paris. 110. C'est vrai, c'est très difficile à trouver. Dialogue. Au marché aux fleurs. Écoutez. As-tu pensé au bouquet pour Madeleine? Oh non, j'ai complètement oublié. Nous ne pouvons pourtant pas arriver les mains vides. Nous ne sommes pas très pressés. Arrêtons-nous au marché aux fleurs. C'est à peu près sur notre chemin. Que prenons-nous? Un bouquet, un pot de fleurs ou une plante verte? Les fleurs coupées se fanent vite. On n'en profite pas beaucoup. Alors une plante verte? Personnellement, je préfère une belle plante fleurie. Répétez.
As-tu pensé au bouquet pour Madeleine? Oh non, j'ai complètement oublié. Nous ne pouvons pourtant pas arriver les mains vides. Nous ne sommes pas très pressés. Arrêtons-nous au marché aux fleurs. C'est à peu près sur notre chemin. Que prenons-nous? Un bouquet, un pot de fleurs ou une plante verte? Les fleurs coupées se fanent vite. On n'en profite pas beaucoup. Alors une plante verte. Personnellement, je préfère une belle plante fleurie. Riz sur le vif. Écoutez. Jacques, tu penses aller à la cave avant de partir? Tu n'as pas choisi tes vins pour ce soir. Ah, c'est vrai. Rappelle-moi ton menu. Des truites à la crème, un filet de bœuf aux champignons. Alors, avec le poisson, j'ai du meursault, de l'Alsace ou de l'Arbois. Tu as une préférence? Ah oui, j'aime mieux le morceau. Et avec la viande? Pas de problème. Je veux la faire goûter mon Bordeaux. Répétez. Jacques, tu penses aller à la cave avant de partir? Tu n'as pas choisi tes vins pour ce soir. Ah, c'est vrai. Rappelle-moi ton menu. Des truites à la crème, un filet de bœuf aux champignons. Alors, avec le poisson, j'ai du meursault, de l'Alsace ou de l'Arbois. Tu as une préférence? Ah oui, j'aime mieux le meursault. Et avec la viande? Pas de problème. Je veux la faire goûter mon Bordeaux. Écoutez. Madame, qu'est-ce que je vous prépare pour ce soir? Faites-nous un potage aux asperges, un gratin de chou-fleur. Non, il fait chaud. Je préfère le melon au potage. Répétez. Madame, qu'est-ce que je vous prépare pour ce soir? Faites-nous un potage aux asperges, un gratin de chou-fleur. Non, il fait chaud. Je préfère le melon au potage.